sur mon dico télévision dans In Memoriam. Voyez, nous sommes sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe, ex-Kalina. Ici, nous sommes devant la parcelle de Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, qui était un homme évolué à l'époque, en 1958 déjà. Il avait acheté cette parcelle que vous voyez tout juste derrière moi. Alors, nous allons devoir faire notre entrée, où nous allons avoir un entretien avec Roland Lumumba, un de ses fils, qui va nous recevoir. Mais là, je vous présente que nous sommes bel et bien dans la résidence Lumumba, la résidence de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, une parcelle qu'il a achetée en 1958, pendant qu'il était encore avec le Belge. Il l'a acheté, il était évolué, il n'était pas n'importe qui. C'était un grand homme qui a pu, à cette époque-là, déjà acheter une parcelle à Kalina, qui est aujourd'hui la commune de La Gombe. Voilà, c'est lui qui a acheté cette parcelle, qui l'a laissée et c'est resté, en tout cas, comme pour sa mémoire, une parcelle qui est restée. Tout le monde qui passe par ici, ça sait que ici, c'est la résidence de Patrice Emery Lumumba. Voilà, c'est In Memoriam qui fait remonter l'histoire. Vous allez m'accompagner. Je vais aller faire la rencontre avec Roland Lumumba pour un petit entretien sur notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Mondico Télévision, je vous l'avais annoncé que nous étions en visite dans la résidence privée de feu Patrice Emery Lumumba, héros national. Et là, nous allons devoir rencontrer son fils cadet, Roland Lumumba, avec qui nous allons avoir un petit entretien. Ne nous quittez pas, c'est juste après ceci. Monsieur Roland Lumumba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Très bien, tout doucement, ça coule. On ne vous voit plus sur les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision, comme ce fut le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait des choses à vous dire, mais apparemment, il y en a moins. Ah bon? Oui. Comme en tant que président de la fondation Patrice Emery Lumumba, vous avez quand même des choses à dire. Vous n'aimez pas beaucoup cet angle, vous aimez les sensationnels. Si je suis parmi les 82 invalidés ou pas. Je croirais vous trouver sur la liste de candidats. Élu ou invalidé? Élu, bienvenue, élu. Je m'appelle Roland Lumumba Okito. Je suis architecte de formation et aussi avocat. Avocat au barreau de Mbandaka, ce que je dis souvent, le barreau prestigieux de Mbandaka. Je suis président de la fondation Patrice Emery Lumumba et je suis ambassadeur. Nous sommes 4, il y a un qui n'est plus. Donc vous avez le compte. Voilà, et de vous 3, personne aujourd'hui n'est fait la politique active en République démocratique du Congo. Alors que vous avez en vous le gène de celui qui, très tôt, à son jeune âge, s'est lancé dans la politique et s'est démarqué jusqu'à à un sacrifice suprême. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez faire la politique, si c'est faire l'agitation politique. Effectivement, il n'y a personne de nous qui est dans cette agitation. François Lumumba, il est le président du parti de notre père, le Mouvement National Congolais Lumumba. Juliana Lumumba s'occupe de pas mal de ses affaires et côté associatif aussi. Elle est assez dynamique dans ce qu'elle fait. Elle est ministre honoraire
depuis. François Lumumba, il était aussi député. Moi, j'étais aussi député. Depuis 92 jusqu'à 97. Et de temps en temps, on a tenté de l'expérience qui n'a pas été fructueuse. Donc, voilà. Notre pays ne nous laisse pas indifférents. On cherche à y contribuer. On y contribue à notre façon, d'après ce que nous faisons. Mais pas en étant dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, dans les institutions. Non, ça ne vous tente pas. Si, ça nous tente. J'ai ce que nous appelons candidat malheureux. Mais je ne me considère pas si malheureux parce que j'ai une profession, j'ai incarné un agenda assez chargé, je voyage beaucoup, je représente pas mal le pays à l'étranger, donc je suis assez actif. En tant que son fils, aujourd'hui, cette grande icône de la RDC, mais qui est reconnue mondialement, vous vous dites que cela suffit, ou il faudra que vous, en tant que ses enfants, puissiez faire en sorte que ce nom aille encore plus loin. Que ce nom aille plus loin, ça, nous ne savons pas. Lui-même, quand il a fait son combat, il le faisait par rapport à sa population, par rapport aux gens qui étaient à côté. Il ne le faisait pas pour paraître ou quoi que ce soit. Et nous sommes de cette école. Nous faisons ce qu'il nous a demandé. En disant l'avenir du Congo est beau et il attend de vous comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Voilà notre leitmotiv. Il faut chercher à accomplir son devoir. Ce n'est pas pour paraître, ce n'est pas pour être connu. Non, il suffit de... On a un grand pays, mais il a besoin de tous. Ce qu'on appelle les lettrés, on est 100 millions, mais les lettrés ne font même pas 1%. Donc, de ce point de vue, nous sommes censés être des privilégiés. Mais ce privilège, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est pour servir le pays qu'il faut essayer de faire son maximum. Et dans les différents domaines. La RDC est un grand pays. Il y a beaucoup de possibilités, mais j'ai l'impression que beaucoup l'ignorent ou ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Les jeunes. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes ou bien c'est au pays ou aux dirigeants Le tout rassemblé, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qu'ils n'arrivent pas à savoir comment arriver à faire valoir, à faire profiter leur savoir au pays. Le pays n'exploite pas non plus ses enfants à leur juste valeur. Il y a certains moments, ça devient une compétition des inciviques, des gens qui n'ont pas droit à telle chose, mais
ceux qui sont là, ceux, oui, dans ce, quand c'est comme ça, oui, les dirigeants, il est pour quelque chose, dans le choix, dans l'encadrement. Mais essayons tous de les changer petit à petit. Voilà, on aurait appris que Patrice Emery Lumumba n'était pas né Lumumba. Il portait le nom d'un de ses oncles, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. C'était quoi le nom déjà? Okita Sumbu. C'est quelqu'un, c'est hors du commun. Il a forgé son destin. Il n'est pas né. Il a décidé à un moment donné, pour des raisons propres à lui, de changer son prénom, de changer son nom, de quitter son village, comme ça, très jeune. Il a pris quelques amis, en y va les amis. L'horizon est trop petit à Onalua pour nous. Il a quitté Onalua pour Kisangani, c'est ça? Non, il a commencé par le Maniema. Il est resté un peu là-bas, après il a atterri à Kisangani, une ville cosmopolite, grande, que les gens peuvent venir de partout et se sentir chez eux. C'est une très belle ville. Et on disait qu'il est très jeune. Pendant qu'il fréquentait l'école, les catéchis, la catéchèse, et il a eu des problèmes avec le prêtre qui ont senti en lui une certaine révolte. Un mouvement, très jeune, un mouvement anti-colonialisme. Je ne sais pas si à cet âge-là c'était anti-colonialiste, mais c'était quelqu'un qui était dans les questionnements tout le temps. Dans notre coin, on est protestant. Le tété là, on est protestant. Et comme vous le savez, à cette époque, pour étudier, il n'y avait que les écoles catholiques ou protestants, ainsi de suite. Et il posait souvent des questions aux prêtres, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous dites telle chose, mais dans votre pratique, on ne voit pas ça. Quel amour du prochain dans ce genre de gestes, ainsi de suite. Donc, le prêtre craignait une révolte interne, il a trouvé la meilleure des choses. De chasser cet élève qui peut amener la rébellion chez lui. C'est comme ça qu'il est devenu catholique, parce que s'il voulait encore étudier, mais c'était seulement les écoles religieuses. Donc, c'était... Mais déjà, à cet âge-là, aimer l'école, c'était pas fréquent, c'était les enfants de blancs qui aimaient l'école à cette époque-là. Lui, il était très jeune, il aurait dû accompagner ses parents au champ, peut-être à la chasse, à la forêt. Mais c'est cet amour-là pour les lettres, c'était spontané, c'était... Justement le destin. C'est une preuve de plus, il faut qu'on arrête les stéréotypes. Les Africains, c'est la danse, c'est le sport, et comme disait le Senghor, l'émotion est nègre et la raison est hélène. Non, il y a des gens qui sont des nègres, mais ils aiment réfléchir, ils aiment penser, ils aiment évoluer au niveau intellectuel. Il s'est formé lui-même, même au-delà, il n'a pas été à l'université,
Mais son niveau, ça dépassait de beaucoup des universités. On peut dire qu'il était surdoué. Il était autodidacte, il essayait de se former. Il s'est formé. S'auto-formé. Voilà. Par correspondance. Tous les moyens de se former, il lisait énormément sur la Révolution française, la Révolution anglaise. Les grands écrivains, tous les gens qui le connaissaient à cette époque, il disait, vous ne pouvez jamais le croiser sans qu'il ait un livre à la main. Donc, c'était la formation continue. Et c'est dans les maniements qu'il s'est lancé dans la politique. Non. Ça a été les débuts. Non, c'est à Kisangani. Maniema, il n'est pas resté très longtemps. C'est à Kisangani qui... Approximativement combien de temps? Des 3 ans, ça, c'est juste un passage. Mais c'est à Kisangani qui s'est forgé comme homme, comme travail, ainsi de suite, dans le domaine des ONG. Et le début de la carrière politique. Revenons un peu en arrière pour parler de la vie familiale, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous aviez, en tant que fils de Lumumba, vous aviez mené une vie normale, comme tous les enfants, avec leur père? C'était quoi? Est-ce que vous l'avez connu? Vous avez des souvenirs de ce qu'a été votre papa? Moi, je dirais non. Mes souvenirs, c'est à travers le regard des autres. Quand il est mort, j'avais presque 3 mois. 3 ans, pardon. Mm-hmm. Dire que j'ai changé énormément avec lui ou je ne sais pas quoi, non. Je l'ai connu à travers les autres. Mes grands frères, ils avaient 9 et 10 ans. Donc, ils l'ont connu un peu mieux. C'était un homme qui aimait ses enfants. Il essayait, quand il a le temps, il était très occupé, mais quand il a le temps, de passer le temps avec eux, jouer avec eux, ainsi de suite. Il le faisait. Oui. Et ce que tes frères t'ont dit, tes aînés, c'était quoi le message qu'ils ont retenu de papa, de son vivant? Que... Parce que chaque famille a quand même... Papa disait, à tel il peut dire qu'il faut étudier, à celui-là il dit qu'il faut faire ceci. C'était quoi beaucoup, le rêve qu'il avait pour ses enfants? Il tenait beaucoup qu'on étudie. Il fallait étudier pour être utile à notre pays. Ça, c'est quelque chose qu'il répétait souvent. Et après sa mort, c'est quelque chose notre mère nous a martelé. Pauline Opango. Voilà. Qu'il faut étudier. Votre père voulait que tout le monde étudie. Et vous n'entrez pas au pays avant d'avoir terminé. Parce qu'on avait fui, ainsi de suite. Il faut rentrer aussi au pays. C'était ça. Il faut étudier. Il ne faut pas étudier pour les études. Il faut étudier pour aider les autres qui sont restés au pays. Donc, c'est ça le message un peu clé au niveau familial. Et aujourd'hui, en tant que fils, Le testament qui nous a légué tous, mm-hmm, en tant que Congolais, vous le prenez en tant que fils ou en tant que fils biologique ou en tant que fils de la RDC? Je le prends d'abord en tant que fils de la RDC parce que lui-même n'a pas voulu particulariser... Faire la différence entre ses propres enfants et les autres. Ses propres enfants et les autres.
il s'est destiné comme une idée. Pourquoi? Seul lui qui sait. Il a dit qu'il est une idée. Le Congo l'a façonné, il essaiera à sa manière de façonner le Congo. La preuve, une soixantaine d'années après sa mort, on continue à parler de lui. Donc, il nous a demandé quand on fait un travail, il faut le faire bien. Et il faut être utile partout où nous sommes, dans tous les domaines. Que tu sois maçon, que tu sois paysan, que tu sois journaliste, il faut travailler, mais il faut le faire bien. Donc, j'essaie d'appliquer ça et regarder autour de moi ce qui se passe. Et je déplore peut-être le comportement de beaucoup de ceux que vous appelez politiciens. Ils n'appliquent pas. C'est quoi la définition d'un politicien, selon vous, au regard de ce qu'a été Patrice Emery Lumumba? Un politicien, c'est quelqu'un qui veut vouer son travail, son existence pour la communauté. Ce n'est pas un jouisseur. Si tu veux être un jouisseur, deviens un homme d'affaires. Tu gagnes de l'argent. Fais ce que tu veux avec cet argent. Mais un homme politique, il est au service de la communauté pour améliorer par ses idées, par tous les moyens, le bien-être communautaire. Il faut qu'il soit un exemple, il faut qu'il soit un modèle. C'est ça que je ne vois pas chez beaucoup de nos compatriotes qui s'occupent de la politique. Nos dernières élections, pour 500 places, plus de 20 000 candidats. Plus de 20 000. Est-ce que ces 20 000, c'est parce qu'ils veulent se donner? Non, parce que, à tort, à raison, peu importe, il faut qu'ils gagnent leur vie. Mais c'est devenu une obsession pour beaucoup. Un moyen le plus facile pour gagner. Voilà. Et ces 500 personnes gagnent énormément d'argent, je dois aussi aller prendre ma part. Ça devient un objet d'enrichissement. Non. Et à cette allure, ce n'est pas ça. C'est, tu vas, ce n'est pas que, c'est, comme on dit, pour donner au pays, il faut tout faire pour donner au pays, pas qu'est-ce que le pays doit m'octroyer. Et dans les 20 000 et quelques, c'était chasse au trésor. Et si les morts pouvaient voir, aujourd'hui Lumumba, s'il serait vivant, il serait fier de politique congolais? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, pourquoi? Lumumba, c'était un évolué. Pour ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est un évolué, à l'époque coloniale, les colons ont voulu prendre une infime quantité de la population pour les mettre à la tête
des autochtones, les Congolais que nous sommes. Et cette film partie, ils leur ont donné tous les droits des Blancs. Et c'est avec eux qu'il devient la courroie de transmission entre eux et les Blancs. Donc c'était, ils étaient au sommet des Congolais. Donc souvent, ceux qui étaient là à cet endroit évoluer, ils avaient atteint le maximum qu'un Congolais pouvait atteindre. Donc ils n'étaient pas dans des revendications. Mais Lumumba étant à cet endroit, mais il a continué à revendiquer, pas pour lui, pour les autres, pour les sans-voix. Est-ce que le politicien d'aujourd'hui revendique pour les sans-voix? Non. Donc comment il peut être fier de lui? À 58, à la trentaine, il a pu acheter cette maison. À un moment, il pouvait se dire que bon, ça suffit, je vis déjà aux côtés des Blancs. Dans le quartier des Blancs. Il était parmi ou les seuls ou parmi les rares directeurs congolais dans une grande société, Polar à l'époque. Donc il avait atteint le summum de ce qu'un noir pouvait espérer de la vie à cette époque. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à revendiquer, pas pour lui, pour les autres. Où est-ce qu'ils sont, ceux qui revendiquent pour les autres aujourd'hui? Et vous avez fait allusion à cette parcelle. Elle a été achetée en quelle année? 1958. Aujourd'hui, quand il est allé en politique, c'était dans la ville de Kisangani. Après la table ronde, tous les leaders congolais de l'époque, ils ont négocié l'indépendance de notre pays. Il fallait que chacun rentre à la base parce que après le départ des Belges, ce serait les Congolais qui vont gérer. Et ce fut un élu de Kisangani. Il était l'élu de la ville de Kisangani. C'est là qu'on dit. C'est là où il a démarré sa carrière politique. Elle est là-bas. Il n'était pas originaire de Kinshasa. Il n'était pas du Sankoro non plus. Voilà. Il n'était pas originaire, mais il a été élu. Il a été élu. Parce qu'il avait une renommée qui lui a dévancé, c'est ça? Parce qu'il défendait les intérêts de sa circonscription, des gens qui vivaient à côté de lui, ils défendaient leurs intérêts. Il ne faut pas oublier, à cette époque, presque sans exclusive, tous les partis qui étaient sur place, c'était des partis tribaux, ethniques. Le seul parti multiethnique, c'était le mouvement national congolais. Donc, ils étaient logiques avec eux-mêmes. Ils ne s'enfermaient pas dans une province ou sur une ethnie particulière. Leur vision et leur but, c'était le Congo en entièreté. Et le Congo lui a bien rendu ça. Ou Kisangani lui a bien rendu ça. Ok.
Aujourd'hui, la famille est quand même apaisée du fait que la relique est revenue au pays. Et aujourd'hui, on peut dire que la famille est fière d'aller s'incliner devant sa sépulture. Oui. Nous, la famille, nous utilisons les termes bantous. La relique, c'est des termes de ceux qui l'ont assassiné, qu'ils ont voulu le faire disparaître. Mais dans la culture bantou, que j'espère que vous l'êtes, mais moi je suis dedans, quand quelqu'un meurt à l'étranger, qu'on ne peut pas ramener son corps, on coupe une partie de ses cheveux, de ses ongles, on le ramène au pays et on l'enterre. Et tout le monde qui passe à cet endroit, on dit « Fulani est enterré ici ». Donc, de grâce, épargnez-nous le langage inapproprié à notre culture, relique ou autre. Nous, on parle de la dépouille de l'Héros national, raison pour laquelle on a exigé que ça rentre dans un cercueil pour un des plus grands dignifices du Congo et du continent, pour que son âme repose en paix. Et nous espérons aujourd'hui son âme repose en paix. On va régulièrement lui rendre visite et des gens du monde entier viennent. Merci. Pour lui rendre visite là où il y a la terre de ses ancêtres. Nos frères au Sankuru ont voulu qu'il soit enterré au Sankuru. Mais la famille a dit c'est quelqu'un qui s'est donné pour le Congo. Tout entier. Tout entier. Donc il fallait. Il n'appartenait plus à sa famille, à sa province et tout, il devait... Non, il appartient à sa famille aussi. Aussi. Hein? Et qu'il soit dans un lieu facile pour nous tous d'avoir accès à lui. Nous sommes enclavés en lutte pour s'ouvrir. Mais Onaloa était devenu trop petit pour lui. Vraiment. Hein, avec tout le respect qu'on a à Onaloa. Ici, les gens, quand ils sont de passage, même les étrangers, pour s'incliner, c'est beaucoup plus facile. On peut dire à la date d'aujourd'hui que la famille a levé son deuil. Oui, oui. C'est elle qui a élevé ses enfants. L'amour de ses enfants. Et après avoir subi tout ça, c'était pas facile pour cette femme qui devait vraiment être honorée aujourd'hui parce qu'en exil, en tout cas, elle est allée seule avec les enfants en exil. Ça n'a pas dû être facile. Hein. C'est vraiment un homme hein, qui a vraiment vécu, il n'a pas vécu longtemps, mais il a laissé une histoire grande. On est en train de voir comment l'année prochaine de célébrer le centenaire de sa naissance. Oui, c'est 2025, ok. La famille, ce n'est pas une personne. La famille, vous, ses fils, surtout que vous êtes avocat, donc écrire, c'est... Écrire, ça. Et est-ce que la famille, aujourd'hui, parce que la Belgique a présenté ses excuses en ce qui concerne l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, la famille croise le bras ou veut voir la justice belge tranché en faveur d'un digne fils du Congo. C'était un combat.
cours, c'est toujours un combat. La famille, une partie de la famille, elle a porté plainte contre les gens qui étaient impliqués, des gens, des Belges qui étaient impliqués dans l'assassinat de notre héros national. Ils étaient 15 à l'époque, il ne reste que 2. Très vieillissants. Et nous espérons que, avant leur mort, que la justice va se prononcer. Et même pour récupérer le reste de Lumumba, c'était dans cette procédure-là que nous avons demandé, et ça nous a été accordé par le procureur du roi. L'affaire elle est en cours et ça continue toujours pour voir. Oui, à l'époque, ils avaient reconnu leur responsabilité dans l'assassinat du premier ministre Lumumba. Ils ont présenté leurs excuses. Maintenant, c'est face aux gens qu'on nous a assignés en justice que nous espérons qu'ils vont se prononcer. Parce que on a droit à la vérité, le Congo a droit à la vérité. Et vous comptez à ce que justice soit rendue et qu'il y ait réparation par rapport à cet ignoble assassinat? D'abord, c'est qu'on reconnaisse qui a fait quoi. Les réparations, on ne va pas le réveiller, on ne va pas... Ce qui doit se faire, que ça soit fait. Mais la première des choses, c'est la reconnaissance de la vérité de ce qui s'est fait. Le 17 janvier, il y a 63 ans. Et du côté de la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'il y a une journée qui lui est dédiée en hommage. Mais est-ce que le gouvernement fait plus que ça en tant qu'ancien premier ministre? Y a-t-il des honoraires qu'on verse à la famille par rapport à son rang, pour avoir occupé ces postes aussi honorifiques? Ça veut dire, si... il a commencé... avoir quelques efforts, parce que c'est comme tout le monde, si il meurt accidentellement dans son lieu de travail, il est indemnisé par rapport. Ça n'a jamais été fait. De temps en temps, oui, l'indemnité en tant que ancien parlementaire, en tant que ceci, en tant que cela, il y a eu un effort par rapport au régime précédent, comme à l'époque de Maréchal et autres. Donc, il y a... C'est de reconnaissance. Voilà. Y a-t-il, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, y a-t-il ici dans la résidence de biens qui lui ont été privés, véhicules, qui aujourd'hui peuvent être placés dans le musée? Est-ce que la famille pourrait accepter, par exemple, la voiture que nous avons vue au garage? Est-ce que la famille pourrait accepter qu'un jour, ces véhicules soient placés dans un musée où on présenterait comme étant bien personnel de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba? Si la question se pose, on va y réfléchir entre héritiers et on va... Mais la question ne s'est jamais posée. Donc, voilà.